en union avec des anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, avec les êtres qui vont devant le trône, que s'élève la louange en l'honneur du roi de toi, créateur du ciel et de la terre. Les bras sans tes bros, sagadabro, liquete tes bros, santa kadana, likarama surana, liramama sole brocha, ide de de do santé que bro, la rama suta de poté da do chata, la rama de salade de bro, que de l'oeil sans la base, rima mama ma contra la base de son ego, vino rojo frete, rama chavale, après la France. L'ONG Belsahel, le ministère marial et prophétique des guéris de prière et le ministère famille des peuples organisent Théotokos Tour Cotonou. Retraite des cas urgents. TM, Maman Marie, mon cas est urgent. Le rêve devient réalité pour le peuple béninois. Le programme le plus explosif de miracles, de guérison et de délivrance par l'intercession de la Vierge Marie. Du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2020. Un programme où aucun malade ne retournera avec sa maladie. Où Dieu révélera avec précision tout ce qui vous tourmente. Où toute opposition dans votre vie se transformera en soumission. Vendredi 27 de 17h à 20h. Samedi 28 de 9h à 20h. Dimanche 29 de 9h à 17h. À la paroisse Saint-Charles-Bel, à Kwakba, juste à la descente de l'ancien pont. Lundi 30 mars au mercredi 1er avril, rencontre avec les partenaires pour les consultations prophétiques et l'exorcisme des familles. Prédicateur, Abba, Achiapa comme Marie, Théotokos Tour, Cotonou. Vous n'avez pas le droit de rater ce programme qui transformera votre destinée. Infoline, plus 225 0131 5106, plus 225 0211 9707. L'ONG Betzel, le ministère marial et prophétique des guéris de prière et le ministère famille des peuples organise la retraite du désert, du 6 au 8 mars, du vendredi à 6h au dimanche à 17h à la montagne à Brofodoumé. Samedi 7 mars 2020, montagne de prière, de 6h à 17h à la montagne à Brofodoumé, route d'Alépé. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous n'y les verrez plus jamais. Exode 14, verset 13. Prédicateur, Abba Achiapa comme Marie. Objectif, veillée de prière, de démolition des hôtels démoniaques et de libération des liens démoniaques. Guérison, restauration, proclamation prophétique, divine liturgie, écoute et accompagnement spirituel. Participation sous condition, notez bien, prévoit des tenues adaptées à la montagne. Rassemblement à l'arène de la liberté, engrais gestes aussi. 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80. La retraite du désert. Nous sommes en vie pour assister à cette prière, pour participer à cet office. Nuitamment, il est bon que nous puissions dire merci à Dieu. En temps, en tout temps, à contre-temps, disons-lui merci, exprimons-lui toute notre reconnaissance pour sa fidélité, pour le souffle de vie
qu'il continue d'entretenir en nous. Et nous croyons que ce Dieu-là qui a commencé de bonnes choses l'achèvera sûrement et que tout concourra à notre bien. Merci Seigneur, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Je prie pour bénir tous ceux qui partagent. Mon ordinateur a un petit souci concernant la transmission de YouTube. Mais je peux bénir tous ceux qui sont sur, Facebook. Hugues Fabien Coulard, Connais Jocelyne Achia, ma fille, sois bénie. Désiré Parezo, sois bénie, ma fille bien-aimée. Bogi Rosine, sois bénie. Christine Conan, Nebo Flor, Véronique Kwaku, Elvige Anyao, Nathalie Manga, Mathé Béni, épouse Kwame, que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Rose Ondoa, Pauline Irié, Nathalie Zongo, Sita Ouattara, Tatiana Védren, Kone Jocelyne Nashi encore, sois bénie ma fille, Suzanne Nguyen, partagez au maximum, n'oubliez pas de continuer à liker cette émission jusqu'à la fin pour ne pas que les cyberactivistes criminels puissent faire une entorse à notre émission, bien aimé. Josué chapitre 7, verset 11. Josué chapitre 7, verset 11. Josué dit, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Alléluia. C'est un test fort parce que vous savez ce qui est arrivé quand Josué a eu la défaite devant Haï. Akan a dû être égorgé, lui et tous les membres de sa famille. Ces choses ne peuvent pas nous arriver maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu, mais nous pouvons être livrés aux vindiques de la nuit, aux esprits de la nuit qui, eux, peuvent nous traiter durement. Alors, pour éviter tout cela, invoquons trois fois le précieux sang de Jésus, aspergeons-nous d'eau bénite et prions ensemble. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, prie avec moi. Seigneur Jésus, je viens à tes pieds te demander pardon pour mes transgressions, pour mes iniquités. Oui, parce que je voulais me marier à tout prix. Et pour cela, j'ai opté pour les fétiches, pour les marabouts, pour ces pratiques, afin d'envoûter les hommes, les femmes qui me plaisaient. Seigneur, ces choses interdites que tu m'as demandé en tant que chrétien et chrétienne de ne pas faire, je les ai faites. Toutes ces choses dévouées à l'interdit, je les ai pratiquées. Impureté, fornication, adultère, avortement ont été mon lot quotidien. Oh mon Dieu, aujourd'hui, j'en prends conscience et je te demande pardon. Je regrette de t'avoir autant blessé. Lave-moi avec ton précieux sang. Purifie-moi de mes souillures. Accepte-moi de nouveau dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, après ce temps d'oxygénation, ce temps de restauration, ce temps de revitalisation, il est bon que nous puissions avoir les mêmes paroles que celles qui étaient sur les lèvres du Maître. Moi, Jésus, Satan n'a rien à moi. C'est pourquoi c'est vraiment important de faire cette séparation, cette démarcation nette. Nous allons prier ensemble. Vous tous qui êtes connectés, la distance ne sera jamais une barrière. La main de Dieu est en train de vous toucher et la main de Dieu est en train de vous féconder. Je prie que toute forme d'oppression que vous vivez dans vos maisons pendant la nuit, je prie pour une famille où ils sont obligés de dormir la lumière allumée,
à cause des oppressions, ils voient comme des choses venir sur eux la nuit, comme des pieuvres. Je commande que le feu descende dans cette maison. Je demande à un des anges de notre commission d'aller veiller avec vous. Je vais demander à cette famille de réagir rapidement. Donnez-moi votre nom et allumez une des bougies blanches, même si ce n'est pas une bougie de notre commission. Actuellement, pendant que je parle, allumez cette bougie, réagissez en direct. Vous me dites que vous avez allumé cette bougie, je vais l'activer à distance. Et je crois que l'ange de Dieu empêchera ces oppressions et ces manifestations morbides dans votre maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Permettez-moi de bénir toutes les célibataires qui vont partager ce soir, je prie pour elles spécialement. J'ai encore une liste de personnes que je vais mettre dans ma Bible. Monet Christine Dro, Louise Indad, Brigitte Indad, Flore Fanquem, Marie-Thérèse Niang, Kwaku Bernadette, Sarah Ebuko, Sita Ouattara, Florence Mendy, Edwige Ange Yao, Désiré Parezo, Hélène Kissi, Marie-Catherine Koudoubo, Hugues Fabien Koula, Rose Sacré Anita Nda, Monique Nzeli BC, Marie-Anne Dibi Kone, Jocelyne, Marie-Joseph André, Madeleine Kwaku, Caroline Biafri, Rose Ondoua, Suzanne Ndjen, Marie Conquisré, Aude Vanessa Ndouba, Anissette Akossi, Christine Conan, Marie-Alice Kadjo, Patricia Debi, Kofi Youssouf, Mathé Kwame, Laetitia Diazon, Irène Yassi, Christelle Raïssa Zadi, Christelle Maïla, Kwasi Edo, Akua Christine Anandé. Vous tous qui êtes en train de partager, je vais faire quelque chose de fort pendant que mon cadreur fixe la liste qui est là. Je vais enlever ma bague de mariage et poser mes deux bagues sur cette feuille et demander que vous tous qui avez partagé. Oh Dieu, souviens-toi. Tous ceux qui sont célibataires, que l'ange duplique cette bague pour aller à leur doigt pour que 21 jours après ce moment, l'homme ou la femme de leur vie vienne au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont mariés dans la vie de qui il y a des troubles dans les foyers, qui ont le mariage, ils sont sous tension, sous oppression, que 21 jours après aujourd'hui, les brasés qui étaient lobo chakaraba, que le miracle se fasse pour eux au nom de Jésus. Tous ceux qui vivent avec des personnes en concubinage, qui ont des enfants, qui ne voient pas la situation être régularisée, que l'ange multiplie, duplique cette bague de mariage et qu'il la porte à votre doigt au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que la grâce du mariage vous soit conférée avec tout ce qui va avec joie, bénédiction, prospérité, santé divine, enfantement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'attends le nom de tous ceux qui n'ont pas encore partagé à au moins 10 groupes. Je vous ai dit, les cyberactivistes sont déchaînés. Donc il est bon que vous puissiez vous connecter. Je disais que j'ai mis sur à ma gauche le nom, pendant que mon cadreur filme ça, le nom de tous ceux qui on sont en train de partager au maximum. Si vous avez partagé au moins dans 10 groupes, je vous demande de partager au moins dans 10 groupes, je prie. J'ai enlevé tout à l'heure, j'ai fait le geste d'enlever ma bague de mariage pour les deux bagues de mariage, les bagues de nombreuses années de mariage pour les déposer ici. Je prie que l'archange, notre commission, j'ai déclaré tout à l'heure pendant que le réseau était en panne, que l'archange, notre commission, duplique ces bagues-là et vous tous qui aspirez au mariage, pendant que vous partagez, parce que le miracle a toujours besoin de s'appuyer sur un support. Et ce que je vous demande ce soir, c'est de partager au moins dans 10 groupes pendant que vous le faites automatiquement. Que l'archange de Dieu aille pour que 21 jours après aujourd'hui, l'homme, la femme qui l'a prévu pour vous, vienne vers vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père,
que cette grâce leur soit manifestée, que cette grâce aille vers eux par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Josué nous a enseigné, Josué nous a amené à la repentance. C'est l'heure du renoncement. Jésus trois fois, et nous nous séparons de toutes ces œuvres mortes là qui ont fait que jusqu'à présent nos vies conjugales, familiales, affectives, sentimentales sont troublées et sont criblées par les traits enflammés de l'ennemi. Jésus, 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 prie avec moi. Je renonce à Satan. Je renonce à toutes ces œuvres démoniaques dans mon couple, dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Et je renonce à tout ce qui a pu l'amener à prendre le contrôle ou à s'infiltrer dans mon couple. Je renonce donc à l'idolâtrie, au maraboutage, à la sorcellerie, aux pratiques occultes. Je renonce à la colère, à l'avortement, au vol, à l'immoralité sexuelle sous toutes ses formes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je fais la confession suivante, que moi et mon conjoint, nous sommes la propriété exclusive de Jésus-Christ de Nazareth. Nous appartenons à Christ, corps, âme et esprit. C'est pourquoi, partout où mon conjoint et moi sommes emprisonnés, je nous sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je proclame notre liberté. Amen, amen, amen. J'attends encore le nom de la nouvelle personne avant de reporter ma bague. J'attends le nom des nouvelles personnes qui vont partager. Tu vas partager cette émission. Vous aurez, vous tous, qui avez été cooptés, une formation spéciale commando des guerriers de prière en trois heures, et Dieu vous visitera. Je vais prier pour cette famille-là. Cette famille-là. Non, la famille nous suit. Et je vais prier pour cette famille dont, qui vit, qui allume la lumière. C'est vrai que je vais prier pour cette dame avec sa camarade, c'est vrai, avec son ami qui vit cette situation-là. Mais je vais prier pour cette famille qui nous suit. Il y a un membre de la famille qui nous suit. Vous êtes obligé d'allumer la lumière à cause des oppressions, mais Dieu va mettre fin à ça ce soir. L'ange est prêt à aller, donne-moi tout votre nom. Et je prie pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est l'heure de la guerre. Et la guerre fait du bruit. Le maître nous a déjà avertis. C'est pourquoi ne laissez pas le sommeil s'apesantir sur vos yeux. Ne laissez pas la fatigue prendre le contrôle de votre corps. Écoutez cette parole de guerre. Le diable veut ou pas, ton mariage sera restauré. Ta vie affective sera une bénédiction et ta famille sera en envie dans cette génération. Ésaïe chapitre 27, verset 1. Il dit, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Alléluia. C'est vraiment une parole de guerre. C'est vraiment une parole de démolition, de destruction. C'est une parole qui doit avoir l'effet d'une explosion atomique ou d'une explosion d'une bombe H. Médite cette parole. Laisse-la gagner en suprématie sur toi. Laisse-la environner tout ton être. Laisse-la te fortifier. Laisse-la t'injecter de l'énergie spirituelle. Et fais avec moi les déclarations prophétiques suivantes. Sans oublier que pour que tes paroles soient efficaces, elles doivent être faites sur des lèvres de foi et d'amour. Prie avec moi en invoquant trois fois le nom de Jésus, trois fois le feu du Saint-Esprit, trois fois le sang de Jésus et crois par la foi que ton mariage sera restauré,
ta vie affective sera restaurée et que tu rentres dans une saison des amours qui est une saison de célébration et d'action de grâce. Jésus, 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 sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, prie avec moi. Oh Dieu, vie de ma délivrance, je commande que le paix de Michael Akane se lève pour frapper et détruire tout esprit de mari de nuit, de femme de nuit, qui vient coucher encore avec moi à mon âge. Tout serpent démoniaque qui vient me violenter dans mes nuits à mon âge. Je commande à l'épée de Michael d'aller les découper au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les brosocotorobo. J'attends les noms pour les mettre sous ma bague de mariage et communiquer la grâce du mariage pendant que mon cadreur fait mouvement. Je veux connecter à l'onction de mariage qui n'est subi d'aucun chagrin. Yvette Yams, Marie-Joseph, André, Nancy Tano, Caroline, Jean Tagro, Itango, Audrey, Véronica, Edéré, Edwige, Marie-Noël, Denise, Agré, Géraldine, Péniel, Elie, Romaine, Lydie, Mambo, Jeanne, Queller, Maury, Habib, Régine, Toiqueuse, Kouakou, Afoué, Josiane, Marie-France, Tareg, Lédivine, Asaka, José, Cablan, Alain, Tareg, Andrea, Tétiali, Tia, Sylvie, Raymond, dont je pose ma bague, mes deux bagues de mariage sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le diable le veut ou pas, votre mariage sera fécond, votre mariage sera bon. Sur YouTube, je vais aussi sceller le mariage prophétique pour Leti Kimou, Irène Mo, Chimène Kofi, Catherine Johnson. Vos noms se joignent à cette liste privilégiée de personnes qui font œuvre de Dieu en permettant à d'autres de se connecter à cette prière-là. Dieu vous le rendra plus qu'au centuple par une vie de mariage épanouie et heureuse. Combattons le bon combat de la foi en déclarant ensemble. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, toutes les pensées impures qui me sont injectées dans mes songes et qui servent de base légale aux esprits impurs de venir m'oppresser, je déconnecte mes pensées de leur emprise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que mes pensées sont renouvelées à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et mon Sauveur, alléluia, alléluia, alléluia. Priez avec moi en invoquant trois fois encore les archanges de Dieu, quatre archanges dans ce combat-là pour te soutenir, pour combattre avec toi, pour te donner la victoire incontestable. Prie avec moi en disant ceci. Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, oh Dieu, Dieu de ma délivrance, j'invoque maintenant ces quatre archanges qui se tiennent devant le trône de Dieu avec les sept autres, et parmi les sept, et toute la milice céleste, pour qu'ils descendent dans les eaux, ils descendent dans les sous-sols, ils descendent dans les airs, ils descendent dans la forêt, dans les masses, dans les pieds, dans mes villages, paternels comme maternels, pour détruire toutes les invocations, les libations qui ont été faites contre mon mariage, contre ma vie conjugale, contre mon enfantement, contre la joie de mon foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les bras au cotorobo. J'ai prié pour cette famille-là. J'ai dit que vous n'arrivez pas à dormir. La nuit, vous dormez la lumière allumée parce que vous sentez comme des oppressions qui viennent vers vous comme des pieuvres, comme de tous côtés, et ça fait des oppressions. Je prends votre nom pour demander à l'archange d'aller traiter ça. Et je vous ai demandé d'allumer une bougie blanche. Dès que vous allumez la bougie, faites-moi un signe. Je vais bénir cette bougie à distance. Et ça sera le signe prophétique avec votre nom et le lieu où vous habitez pour demander à l'ange d'aller
prendre posture et prendre la garde dans votre maison pour vous aider dans le combat spirituel. Combattons le bon combat de la foi toujours. Prions parce que le diable le veut ou pas. C'est un menteur et sa belle-mère est une menteuse. Jésus trois fois et nous continuons le bon combat de la foi. Jésus, prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance. Toute parole incantatoire qui a lié mon mariage depuis mes aïeux, maintenant et qui opère sur ma vie et sur ma descendance, au nom puissant de Jésus, est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les bras au côté robot. Prends encore un psaume, psaume 144, verset 7. Prends cette parole pour donner plus d'élan, plus d'entrain et plus de vitalité à notre prière de ce soir. Psaume 144, verset 7. Le psalmiste dit, étends tes mains d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger. Si vous regardez bien notre prière de ce soir, nous sommes en train de traiter les esprits des eaux. Ces deux tests, où nous parlons de Léviathan et ce psaume, sont des tests de guerre contre ces esprits-là. Et c'est bon, quand vous le faites, de faire des libations d'eau sur la terre, de parler avec autorité pour que le silence se fasse dans le monde spirituel au sujet de votre mariage. Combattons le bon combat de la foi en déclarant ensemble. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, toute chaîne de captivité, tout hôtel démoniaque de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui retient mon alliance, je commande qu'elle me soit restituée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je commande que ces hôtels prennent feu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comme avec moi le bon combat de la foi, je priais pour les brachés qui étaient les beaux. La bra 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 les bros au côté le beau. Rakatara baba baba baba. Je priais pour quelqu'un. Je priais pour quelqu'un. Je priais pour quelqu'un. Tu as eu un début de zona au niveau de la ceinture. Tu as eu un début de zona au niveau de la ceinture et tu nous suis. Tu nous suis pendant que je parle. Un début de zona et c'était consécutif à un rêve. Et je te sens très affaibli. Je vois un problème de sang. Je priais vraiment, invoquer le Dieu de miséricorde pour toi. Je priais fortement, si tu peux peut-être nous donner ton nom. Je priais pour toi. C'est un problème de sang. Tu as également le sida. Le sida, si tu peux nous donner ton nom en direct, donne-nous ça inbox. Mais je priais pour toi parce que tu as commencé à avoir des problèmes de santé et ce zona-là a commencé, je le vois toujours spirituellement, physiquement ce n'est plus là, tu as utilisé des produits donc c'est parti, mais spirituellement je vois ça toujours et je priais pour toi, la miséricorde de Dieu a besoin d'être forte pour toi, si tu as des parents ou bien donne ton nom, je vais célébrer des messes pour toi, je vais célébrer des divines liturgies, donc des cette messe authentique, profonde, orthodoxe, pour toi pendant 7 jours, ou bien les 7 dimanches vont venir prier à tes intentions spécialement et demander que Dieu te visite fortement. Et je veux que tu me donnes ton nom inbox parce que c'est quelque chose de très très sérieux. Je veux prier pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Continuons notre montée vers la terre promise, nos amours, vers notre mariage, vers notre couple qui doit être restauré, vers notre famille qui doit retrouver son lustre d'antan. Jésus, trois fois, nous prions. Jésus, prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma louange, je suis né aucune relation sérieuse depuis. Aucune dot, aucun mariage
plusieurs promesses de mariage sans aboutissement. Tous ceux qui ont voulu forcer ont été foudroyés de morts violentes, même de dépression. Oh Seigneur, vois. Oh Dieu, regarde que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus. C'est ce que ta parole dit, Seigneur. Alors, Seigneur, étends ta main d'en haut et viens me secourir. Viens me délivrer de l'affliction qui m'inflige la douleur et que m'imposent mes ennemis. Père, réagis à tout cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les brosés qui étaient les beaux. Chakaraba. Prie avec moi. C'est que de l'encens, allumez l'encens prophétique ou allumez de l'encens béni. Parce que je vois des anges qui vont venir rester avec vous pour combattre avec vous. Je vois trois anges qui sont en train de faire mouvement vers nous et donc qui sont pour cette commission pendant que vos noms s'affichent. Je leur demande de lire. Je vois des anges avec beaucoup d'yeux sur leur tête. Ils iront là-bas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi. Oh Dieu! Toutes les conspirations, les brasés qui étaient les beaux. Rakatalaba, adolebesi katalaba, koraba chantaba. Toutes les réunions fomentées contre moi par des prêtres démoniaques de la maison de mon père et par des couvents de sorcellerie de la maison de ma mère contre mon mariage, mes enfants, mes réalisations, que tout cela soit annulé et tous ses ennemis exposés et humiliés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'insiste la dernière fois sur cette famille-là qui vit des oppressions, qui vit des oppressions. Ne joue pas avec ça parce qu'il s'agit de venir prendre quelqu'un dans la famille. C'est pourquoi ces oppressions-là qui arrivent comme des pieuvres. Et je sais que dans la description que quelqu'un de la maison a dû dire, il a utilisé ce terme-là comme des pieuvres, mais comme des serpents, mais c'est surtout des pieuvres. Il vient avec plusieurs tentacules, etc., comme une homme noire, mais pieuvreuse. Je priais pour vous et vous dormez sous oppression depuis quelques semaines. Dieu veut arrêter ça. Et si vous ne réagissez pas, je suis obligé de prier pour vous à distance, mais c'est pas bon. Il faut réagir vite. N'oubliez pas notre test des cantiques, pour que l'ange se rapproche de nous avec notre bien-aimé. Quand nous arrivons à cette étape-là, allumez votre bougie rose. Allumez votre bougie rose, allumez l'encens que je vous ai demandé d'allumer tout à l'heure, allumez l'encens et demandons l'intercession toujours de ce saint. Ah, il y a deux personnes qui veulent, pendant que mon cadreur, j'espère qu'il suit le mouvement, Marie-Thérèse Nyan, Cécile So, Gisèle Anno, Achia, Yua Marie, Anita Nda, Dominique Mavioba, Modestine Nakwes Aku, Marie-Claude, Kania Achia, Victorine Bikoun, Cécile Victoire Chaud, Serge Olivier Ketchakou, Estelle Victorine Gwese Aminata, Jeannette Sa, Larissa Sandrine Nguessan, Nathalie Koulibaly, Clémentine Conan, Roselyne, Yao Valérie Goulet, Eric Armand, Adoï Barthélémy, Yameogo, Véronica Edere Kwasi Benjito, Khalil Habib Salomé, prophétiquement, pendant que vos noms étaient entendus, je mets vos noms et je demande que l'archange pose ma bague, mes deux bagues de mariage et qu'il s'élève dans le règne de l'esprit pour appliquer cela à votre vie, pour dupliquer cette grâce à votre vie et que 21 jours après aujourd'hui, ce que vos yeux n'ont pas encore vu, vos oreilles n'ont pas encore entendu, ce qui n'est même pas monté à votre cœur, mais que Dieu a réservé pour vous depuis toute éternité, vienne vers vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, je vous attends, allumez vos bougies, allumez vos encens. Nous allons prier avec un saint important, Saint Martinien qui est un saint du 4e siècle, Saint Martinien. Et nous allons demander son intercession, demander sa prière, demander qu'il se joigne à nous pour proclamer notre test de prière, notre test pour envoyer les anges en mission, que ce puissant saint puisse rester avec nous,
puisse être avec nous, puisse intercéder pour nous, puisse se joindre à notre prière. Et je crois que Dieu accomplira beaucoup de miracles. C'est un saint qui opère beaucoup, beaucoup de miracles. C'est un saint qui accomplit beaucoup, beaucoup de grâces. Et il est beau que nous puissions nous accrocher à lui. Votre bougie rose est allumée ou bien blanche. Demandons à Saint Martinien d'intercéder pour nous en l'invoquant trois fois et en proclamant notre verset prophétique que l'ange nous a révélé pour être plus proche de nous dans notre combat, dans notre quête vers l'âme sœur avec qui nous allons être Sarah et Toby pour le reste de notre vie sans séparation et sans divorce aucune. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 1. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 1. Pour commencer cette parole ensemble, en invoquant Jésus trois fois et en demandant à Saint Martinien de nous aider. Jésus, 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 Saint Martinien, Saint Martinien, Saint Martinien, partout où vous êtes, si nous proclamons ces paroles d'un même cœur, nous créons un condensé d'onction qui amènera les anges à nous exaucer même plus vite que les 21 jours demandés. Plus ensemble. Sur ma couche, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me leverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passé que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Je reporte ma bague, je prie que pour tous ceux qui vivent, qui attendent la grâce de l'enfantement, que cette grâce-là vous soit communiquée, sans oublier le yada du 29 février à 16h au Centre d'Excellence. C'est un yada prophétique où nous allons exercer un ministère de prophétie, un ministère d'exaucement, d'accomplissement. C'est un yada où chacun devra prendre une bougie pour soutenir le ministère du chante prophète Ismaël René Agabus Achia. Et je vais consacrer ces bougies-là en direct. Je vais faire des prières d'exaucement et demander que la main de Dieu vous touche. C'est un yada où je vais attacher à ces bougies un fil blanc. Quand vous allez allumer la bougie, mettez ça à votre doigt pour tous ceux qui ont des mariages qui sont combattus et Dieu vous fera du bien. N'oubliez pas, les retraites individuelles maintenant ont commencé au Centre international 4 étoiles et il y a la retraite du désert le 21 au 23 février. Je ne sais pas si la bande annonce est prête déjà. La bande annonce est prête déjà. Non. 21 au 23 février. Prenez vos tickets de bus, de car, vos tickets d'avion. Retraite du désert, 21 au 23 février. Avec ma bénédiction, Abba, Chapako Marie, je prie que le Saint de ce jour vous localise et vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soyez heureux en ménage comme je le suis. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Après la France. L'ONG Belsahel, le ministère marial et prophétique des guéris de prière et le ministère famille des peuples organisent Théotokos Tour Cotonou. Retraite des cas urgents. TM, Maman Marie, mon cas est urgent. Le rêve devient réalité pour le peuple béninois. Le programme le plus explosif de miracles, de guérison et de délivrance par l'intercession de la Vierge Marie du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2020. Un programme où aucun malade ne retournera avec sa maladie, où Dieu révélera avec précision tout ce qui vous tourmente, où toute opposition dans votre vie se transformera en soumission.
vendredi 27 de 17h à 20h, samedi 28 de 9h à 20h, dimanche 29 de 9h à 17h, à la paroisse Saint-Charles-Bel, à Kmakma, juste à la descente de l'ancien pont. Lundi 30 mars au mercredi 1er avril, rencontre avec les partenaires pour les consultations prophétiques et l'exorcisme des familles. Prédicateur, Abba, Achiapa comme Marie, Théotokos Tour, Cotonou. Vous n'avez pas le droit de rater ce programme qui transformera votre destinée. Infoline, plus 225 01 31 51 06, plus 225 02 11 97 07. L'ONG Betzel, le ministère marial et prophétique des guerriers de prière et le ministère famille des peuples organisent la retraite du désert, du 6 au 8 mars. Du vendredi à 6h ou dimanche à 17h à la montagne à Brofodoumé. Samedi 7 mars 2020, montagne de prière. De 6h à 17h à la montagne à Brofodoumé, route d'Alépé. Thème, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous n'y les verrez plus jamais. Exode 14, verset 13. Prédicateur, Abba Achiapa comme Marie. Objectif, veillée de prière, de démolition des hôtels démoniaques et de libération des liens démoniaques. Guérison, restauration, proclamation prophétique, divine liturgie, écoute et accompagnement spirituel. Participation sous condition, notez bien, prévoit des tenues adaptées à la montagne. Rassemblement à l'arène de la liberté, en Grégeste aussi. 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80. La retraite du désert. Yahweh. Le dedos, caramba.